Un artiste, un chanteur, un phénomène, dirais-je même, puisque son nom est sur toutes les lèvres, bien au-delà des fans de musique habituelle. Il pourrait bien représenter la France au prochain concours Eurovision à Tel Aviv au mois de mai. C'est Bilal Hassani. Je l'adore. Moi aussi, ah ouais, je l'aime trop. Voilà, regardez-le, il a 19 ans, il n'a jamais sorti d'album. Pourtant, il a déjà plus de 770 000 abonnés sur son compte YouTube. Chez vous d'ailleurs, Isa, je sais. Ça, c'est ma fille. Ouais, voilà. Les jeunes et les moins jeunes, donc comme moi, ont d'abord craqué sur ces vidéos qui sont des reprises de tubes du moment. Regardez. Reprise de The Weeknd, c'était il y a 2 ans, mais il en sort en permanence. Tenez, regardez l'année dernière, Ed Sheeran. Oui, c'est lui qui chante. C'est lui qui chante. C'est lui qui chante, me demande David. C'est lui qui chante. Mais oui. Non, parce qu'à un moment donné, il bougeait les lèvres et c'était décalé. Alors. Tout récemment, il a fait un carton avec une vidéo où il reprenait les deux tubes de l'hiver, Angèle et Aya Nakamura. 3 200 000 vues en un mois. Il danse super bien. Il danse super bien, il chante hyper bien, il se maquille. Professionnalise aussi. Ouais, et il se professionnalise. Ça a l'air hyper bien rangé chez lui. C'est très bien rangé chez lui, probablement. Elles font un tabac, les vidéos de Bilal Hassani. Même Janet Jackson les a partagées sur ses réseaux sociaux. Et si on parle énormément donc, de ce jeune homme en ce moment, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il fait partie des 8 artistes présélectionnés pour représenter la France au prochain concours Eurovision. En lice également d'autres jeunes talents comme lui et puis des artistes beaucoup plus confirmés. Il y a Chimène Badi, Emmanuel Moir. Et pourtant, c'est lui, le petit jeune Bilal, qui est le favori du public avec cette chanson Roi. Écoutez. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. The end of the day, you cannot change me for valor. Laisse-moi m'envoler. C'est un titre que Bilal Hassani a écrit avec le groupe Madame Monsieur, qui connaissent bien l'Eurovision. Ils ont représenté la France au concours l'année dernière. On les regarde en studio. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi. Donc, si c'est Bilal qui va partir faire le show en Israël pour la grande finale de l'Eurovision le 18 mai prochain, va-t-il ramener la coupe à la maison? Il y a des paris. Depuis le temps qu'on attend la coupe à la maison. Des ah ouais, paris. Il y a une très belle coupe déjà. Ah oui. C'est pas la même. Des bookmakers sont sur le coup. Hein. C'est vraiment tendu cette histoire. Mais beaucoup moins tendu que la deuxième raison pour laquelle on parle beaucoup de Bilal en ce moment. Là, c'est carrément détestable, mais c'est la réalité. Donc parlons-en. Ce jeune homme de 19 ans, je le rappelle, hein, c'est un enfant. Reçoit des centaines, des milliers d'insultes sur les réseaux sociaux. Et ce ne sont pas des personnes qui, comme moi, sont juste jaloux de son art de la perruque, parce que ça, c'est formidable, c'est une idole pour moi. Non, c'est de la haine pure, sale pédé, sale arabe, des gens qui ne supportent pas, en fait, qu'un gamin comme ça puisse exister dans la lumière, de surcroît. Et dans les médias aussi, ça se lâche bien. Hein, vendredi dernier, une chroniqueuse télé qui s'indignait en disant « Oh, l'Eurovision, c'est pas un concours de travelot !» Voilà, on parle quand même d'une dame adulte, journaliste, qui parle d'un enfant de 19 ans qui chante une chanson et qui se maquille mieux que moi et c'est tout quoi. Donc c'est assez ahurissant la violence qui se déchaîne contre Bilal Hassani. Alors du coup les paroles de sa chanson qui auraient pu nous paraître un petit peu puériles, un petit peu évidentes, il dit je ne suis pas dans les codes, ce qu'on est on ne l'a pas choisi, moi je suis le même depuis que je suis tout petit malgré les regards, les avis. Bah, mais il s'assume. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi qui gêne des gens probablement frustrés. Les paroles donc prennent tout son sens et Bilal Hassani, sa chanson s'appelle Roi,
Il sera peut-être à l'Eurovision. Et ce qui est sûr, c'est qu'il sera partout ailleurs puisqu'il va sortir son premier album au mois d'avril. Et moi, j'espère qu'il s'offrira encore plein de perruques pour fêter ça. Exactement. On lui souhaite bon vent.